Donc aujourd'hui, je voudrais comparer en fait deux sets de micros, les fameux Seymour Duncan SH1 SH4, montés sur énormément de guitares, très polyvalents, et les fameux également TV Jones Powertron. Donc les guitares sont les mêmes, même style, hein, corps à cajou, 7 necks, même prix aux environs 1 300 €. Donc on va attaquer tout de suite par le 16 Clover, c'est-à-dire le SH1 en manche. Au TV Jones. Donc on passe au SH4 en bridge, enfin en chevalet. Au TV Jones. Thank you.
Maintenant, middle position, et c'est là que je trouve les TV Jones très forts, c'est que souvent les guitares ne sonnent pas en position middle, et une guitare montée en TV Jones sonne super bien en middle position. Qu'on entend sur pratiquement toutes les guitares. Pas évident parce que quand on change de guitare et de micro, on change de style. Plus sec et beaucoup plus racé, mais si on doit avoir qu'une seule guitare, autant qu'elle soit montée en Seymour. Bien que moi j'ai tendance à ne jouer qu'avec cette guitare, enfin, mais c'est une question de goût personnel, c'est plus parce que j'aime les sons très 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 racés, donc j'aime pas les sons modernes du tout, donc voilà. Donc, mais voilà.